avec la ville de Marseille. L'escrime à l'honneur ce week-end au Palais des Sports de Marseille à l'occasion du Challenge Gentil. Et même si cette année l'épreuve ne compte plus pour la Coupe du Monde, les meilleures fleurettistes mondiales étaient au rendez-vous. Les Italiennes, championnes du monde, en ont même fait l'ouverture samedi soir dans un match de gala les opposant à l'équipe de France. Et l'objectif, moi et de mes copains italiennes, est de faire un beau escrime pour émotionner le public qui était ici à voir l'assaut Italie-France. France-Italie, une affiche habituelle. Les deux nations se retrouvent très souvent en compétition internationale. Et comme à son habitude, l'Italie remporte la partie. Mais contrairement au grand rendez-vous, cette fois, l'ambiance était plutôt détendue. Dans un état d'esprit joueur, sans aucune pression, sans rien du tout, juste vraiment histoire de venir ici et de faire un petit match d'escrime. Ambiance plus sérieuse le lendemain matin, en épreuve individuelle. Sur les 71 compétitrices, une Marseillaise, Sylvia Thomé, qui faisait son retour à la compétition après 3 années d'arrêt. Je pense qu'au niveau technique, on ne perd pas grand-chose. Ce qui manque beaucoup, c'est le physique après l'arrêt. Mais sinon, ouais, les automatismes reviennent assez facilement quand on arrive à se mettre dans le bain, ça va, ça se passe bien. Psychologiquement, j'ai pas trop de pression, vu qu'il n'y a pas trop d'objectifs, ça va. Éliminée dès le premier tour, Sylvia Thomé est déçue mais pas découragée et la Marseillaise compte bien prendre sa revanche sur la prochaine compétition. La joie des footballeurs Martego. Samedi au stade Francis Turcan, ils ont battu la lanterne rouge Aurillac. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner face à une équipe laissant peu d'espace et venue chercher le match nul. Le score espéré, oui, c'était un match nul. Je pense que, au vu du match et ce que l'on avait fait, la débauche d'énergie et le respect des consignes, ça aurait été bien payé pour nous d'avoir un match nul et ça n'aurait pas été immérité. Et malheureusement, bon, 2 minutes de la fin, prendre ce but, c'est difficile pour nous. Un but sur corner tiré par Azouz Kara, rentré quelques minutes plus tôt et repris de volée par Driss Imes. Une action venue récompenser le travail de tout un collectif qui a poussé pendant 90 minutes. On a poussé tout le match et à un moment donné, ils allaient céder. Je veux dire, on a eu plein d'occasions en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'au début de deuxième mi-temps, ça a été un peu difficile, mais on a l'habitude d'arracher les victoires à la fin ou d'arracher les matchs nuls. Donc on a eu un peu de chance, mais je veux dire, la chance, ça fait partie du foot. Voilà. De la chance, mais aussi beaucoup d'envie à l'image de cette action de Jean-Mathieu Deschamps, fauché à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre désigne aussitôt le point de pénalty. Azouz Kara ne tremble pas. 2-0 pour le FC Martigues et 4 points de plus au classement. C'était important, nous, déjà de gagner pour conforter notre deuxième place. Vu qu'il y avait d'autres confrontations directes entre le 3e et 4e, donc c'était important de prendre les 4 points. Et bon, même si ça a été hyper difficile de remporter ce match, au moins les garçons ont fait l'essentiel. Martigues plus que jamais en course pour la montée en nationale. Prochain match pour les hommes de Franck Priou samedi à hier, avant d'accueillir Marignane dans 15 jours. Renversant les handballeurs aixois. Opposé à Nancy, un autre candidat à l'accession en première division, le PAUC a longtemps souffert devant son public. Face à une équipe lorraine incisive et réaliste, les aixois se sont montrés fébriles et maladroits pendant les 3/4 du match avant le déclic. Percussion, précision, vitesse, les aixois ont prouvé une belle cohésion de groupe. Une victoire finale 31-29, notamment due aux arrêts décisifs du gardien Stéphane Capel. Ouais, je pense que tout le monde a joué son rôle. On a eu vraiment un match difficile. Dans les 20 dernières minutes, on a été là. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et ça, c'est important de gagner des matchs comme ça, aussi difficiles et surtout à domicile. Mais avec un état d'esprit comme ça, on avancera beaucoup plus vite et on peut gagner des matchs même sans être vraiment très performant. Mission accomplie pour les filles du SMUC. Après 2 revers consécutifs à domicile, les Marseillaises renouent enfin avec la victoire devant leur public. Elles s'imposent 75-66 face à Istres. On avait vraiment envie de gagner ce match, surtout un derby contre Istres, c'est toujours difficile. Et puis voilà, ça faisait 2 matchs qu'on perdait à la maison et on voulait vraiment gagner ce match pour le public et pour tout le monde qui vient nous voir à chaque fois. Donc c'est fait et c'est bien, c'est une grande satisfaction. En première période, le match est serré, 36-35 à la pause. Mais peu à peu, le SMUC reprend les choses en main et parvient à creuser l'écart.
quatrième de leur poule à un point seulement du podium. Les joueuses de Vincent Bousgarbiès sont plus que jamais dans la course pour les playoffs. Bah, cette victoire était importante parce que justement, c'est vrai que physiquement on n'y était plus depuis un mois et demi. Donc on travaille, mais je pense que cette victoire va nous relancer physiquement. Déjà ce soir, on a eu quelques aperçus, quelques passages où vraiment physiquement on a été présent. On va aller se déplacer chez les gros qui peuvent pas nous enterrer complètement. On est encore là, au contact, et donc il faudra se méfier de nous. De leur côté, les Istriennes ne s'en sortent plus. Avant-dernière de la poule, elles se dirigent tout droit vers la relégation. Pour les joueuses de Daniel Herrera, la fin de saison risque de sembler bien longue. Il nous manque de la discipline, il manque du collectif, on ne peut pas gagner un match en jouant individuellement. Il nous manque du rythme, on n'impose pas de rythme, alors que je pense que physiquement on est plus en forme qu'elle, on n'arrive pas à s'imposer, quoi. Avec cette victoire, les Marseillaises s'installent dans le haut du classement de National 1. La semaine prochaine, face à Chanet, il faudra encore une fois briller à l'extérieur. En cas de succès, le SMUC pourrait bien se trouver de nouvelles ambitions. Les volleyeuses d'Istres se sont frottées à l'Ogre Cannois ce week-end à l'occasion de la 17e journée de Pro A. Cannes, un adversaire qui surclasse le championnat français et qui n'a laissé aucune chance aux Istréennes. Mais Lydia Oulmou et ses équipières n'ont pas démérité et sont même parvenues à faire jeu égal en début de chaque set. Un point contre Cannes, c'est un match contre les autres équipes. Hein. C'est tellement difficile de marquer un point, alors on est tellement content de marquer un point. Voilà. Istres n'avait rien à perdre, mais l'exploit ne sera pas pour ce week-end. Cannes conclut la rencontre en à peine plus d'une heure, 3-7 à 0. L'équipe de Istres, ils ont eu 2 ou 3 blessés. Je pense des filles très importantes, les filles de 6 majors. Et bon, nous, aujourd'hui, on a joué avec pas mal des remplaçantes et c'était très bien passé pour nous. Je pense que l'équipe elle a retrouvé un petit peu de fraîcheur, il y a eu un peu de changement et c'était très bien. C'est vrai que la résistance istrienne était moins importante que la semaine dernière. Une défaite qui ne surprend personne, pas même l'entraîneur d'Istres, Frédéric Guérin, satisfait malgré tout de la prestation de ses joueuses. Le score, il est peut-être sévère, mais dans le contenu, dans l'affrontement pur, ben oui, c'est très intéressant. J'ai senti mon équipe bien, bien vive, bien défendre. Et en plus, c'était la classe Biberon qui jouait ce soir. Donc non, ça a été, c'était très positif. Agnès Deutsch et Sonia Mikiskova blessées, Frédéric Guérin a donné sa chance aux jeunes et elles n'ont pas déçu. Encourageant en vue du derby samedi prochain à Venelle, où Istres compte bien faire valoir sa 4e place. Le gymnase Louison Bobet à Aix-en-Provence transformé en salle de boxe. Samedi soir, les meilleurs espoirs tricolores sont montés sur le ring pour y disputer les demi-finales du championnat de France amateur. Le public en connaisseur a apprécié le spectacle. D'anciens boxeurs pro avaient aussi fait le déplacement, à l'image du Marseillais Mehdi Sanoun, champion du monde des 1000 lourds en 2003. Ça fait plaisir de voir les jeunes aussi qui boxent aujourd'hui, qui représentent le Noblard. Et j'ai vu quelques combats qui étaient sympas. Et voilà, ça fait plaisir aussi de revoir un peu la famille de la boxe. Également présent, Alexis Vastine, aux côtés du papa entraîneur, le médaillé de bronze au JO de Pékin est venu encourager son frère Adriani. Opposé à Nassim Amitouche, le cadet de la fratrie Vastine a fait parler son expérience pour l'emporter tranquillement. Je voulais mettre du niveau dès le début pour essayer de l'asphyxier un peu physiquement. J'ai réussi, mais bon, je me suis aussi asphyxié un petit peu. Je suis peut-être parti un peu trop vite, mais bon, j'ai su gérer après... Comme j'ai dit avec l'expérience, comme j'avais un peu d'avance, j'ai un peu plus bougé et essayé de récupérer sur le dernier round. Adriani disputera samedi prochain à Saint-Quentin la finale du championnat de France. Une victoire lui ouvrirait les portes des qualifications pour les JO de Londres. Les frères Vastine combattent dans la même catégorie, en moins de 69 kilos. Le moment venu, une seule place sera à prendre et Alexis en a fait son objectif numéro 1. J'y pense tout le temps, en permanence. C'est mon objectif depuis Pékin, c'est mon objectif. Actuellement privé de ring en raison d'une hernie discale, Alexis Vastine devrait remettre les gants d'ici quelques semaines. Objectif, être prêt pour les championnats du monde en septembre. Ils étaient 700 dimanche matin à prendre le départ de la 24e édition du Cross de Septem-les-Vallons. Au menu, 2 parcours de 8,5 et 13 km. De quoi se faire plaisir avec ce soleil. L'ambiance est géniale.
Le parcours il est quand même dur, bien que j'ai fait que les 8,5 km. C'est le début qui est très hard, il y a un mur, un beau mur. Mais bon, sinon ça va, hein. Il fait beau, c'est génial. Ça démarre assez fort, donc il faut savoir garder le contrôle au départ. Et après, parcours plutôt sympa, on finit en descente, donc c'est agréable. À l'arrivée, c'est un local, Serge Ayala, qui remporte le 8 km en 29 minutes et 14 secondes. Je suis parti très fort. Je ne pensais pas honnêtement la gagner parce que c'est très relevé aujourd'hui. Et finalement, des fois la chance intervient et puis j'ai tenu le rythme tout le long, j'ai pas eu de coup dur et personne ne m'a rattrapé et voilà, j'ai gagné. Après l'effort, le réconfort, quelques gourmandises attendaient les coureurs satisfaits. Rendez-vous l'année prochaine pour les 25 ans du Cross Septémois. Le JT Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Soyons sport avec la ville de Marseille.